Hey, salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour une nouvelle rediffusion live, un nouvel épisode de notre Let's Play live sur Pokémon Soul Silver en randomizer, live que vous pourrez retrouver tous les lundis 20h30 et jeudi 20h30 sur ma chaîne YouTube Alex Yuki et chaîne Twitch Alex Yuki avec 3 i, je live sur les deux chaînes en même temps et que vous pourrez bien sûr retrouver en rediffusion sur ma chaîne de rediffusion Alex Yuki VOD live. Eh bien, le lendemain, à 20h ou d'autres horaires, mais habituellement, voilà, je le mets le lendemain. Donc, la dernière fois, on avait reçu notre quatrième badge. On avait affronté notre rival, tout ça aussi. Et aujourd'hui, il faut récupérer le remède pour le Pharamp, maison du photographe. Donc, ce n'est pas ici. Ça doit être ici. J'ai l'impression que le jeu est lent, je sais pas. Je relancerai le jeu. Hein, une potion? Mais ton Pokémon m'a l'air en pleine forme! Quel est le problème? Ah, le Pokémon du phare! Je vois, dans ce cas, j'ai ce qu'il lui faut. Tiens, prends ceci. Potion secrète. La potion secrète était utilisée pour qui déjà aussi? Puisque je me souviens que c'est pas un objet qui est exclusif à ce jeu. Ma potion secrète est légèrement trop forte. Je ne l'offre qu'en cas d'extrême urgence. Bon, continue de regarder la télé alors. La CS vole bientôt. Pog! Tu as eu vol? Apparemment non, je n'ai pas eu vol. C'est après l'arène. Ok, cool Pharamp, un de mes préférés. Bon d'ailleurs, faudra qu'on essaie de choper un nouveau Pokémon aujourd'hui. La dernière fois, on n'a pas eu de nouveau Pokémon. Ce serait bien qu'on le fasse. Du coup, il y a le Suicune ici. On va rester comme ça. Alors, Suicune! Oh, il est quota? Oui, il est quota! Le mec avec la pire tenue. Salut Alex. C'était Suicune, hein? Je l'ai à peine aperçu, mais j'ai cru le voir courir sur l'eau. Il est si beau et si élégant. Il traverse ville et route à une vitesse prodigieuse. Quel être extraordinaire. J'aimerais tellement pouvoir l'admirer de plus près. Je sais, je vais me battre avec toi pour que Suicune remarque mes talents. En garde Alex. En garde. Vol, c'est la meuf devant la reine. Ouais, à quel moment, ouais? Hyper cutter. Très bien. Ouais. Un Registeel. Ça commence bien. Ça commence bien, ce n'est pas très efficace. Oh là, ça. Oh, allez. La CS Force avec Suki, elle est à Hollyville dans une maison. On ira checker ça, du coup. Ouf. Alors, tu vas faire quoi, mon pote? Qu'est-ce que tu vas faire? Séisme encore. Elle interpelle direct quand tu sors de l'arène après l'avoir battu le champion. Ok, ok. Moins de soucis alors. Bon, du coup, on commence. Le premier Pokémon qu'on voit, c'est quand même un Pokémon légendaire. Hein. Registeel. Et le mec, il est là. Oh, je veux un Suicune. Mais t'as, mec, t'as déjà un Registeel. Ça se trouve, il y a même plus que ça. Il y a même d'autres Pokémon. Ponyta. Ouais, voilà. Ponyta. on va continuer le combat. Pouce bleu pour Alex. Mais merci à toi, en effet. 25, niveau 25, séisme. On va le one-shot aussi. Oh! Le séisme t'aura même avec ça. Bam! Même dans la terre, mec. Même dans la terre. Tu ne pourras pas esquiver les séismes. Ouf! C'est super efficace. Ok. Et du coup, il est mort dans la terre. Il est mort dans la terre. Et du coup, Linéon, changer de Pokémon. On va mettre Hugo. Depuis quand il y a des Pokémon rares comme ça, le mec random? C'est pas un mec random, c'est un mec qui a un certain rôle dans l'histoire, mais... C'est pas un mec random. Calmons-nous, Exploforce. Ah, il va faire racine, il peut récupérer des PV à chaque fin de tour, je crois. Allez, petite Exploforce pour one-shot comme l'autre. Puisqu'on est OP un petit peu. Bien sûr, Exploforce qu'on ne rate pas. Si, c'est bon. Mais mes Pokémon, je les ai tous mis niveau 28, ils sont légèrement au-dessus du niveau de ce qu'on a en ce moment. Pas le choix, je reconnais ma défaite. Mais en soi, il y a le prochain champion d'arène, il a des Pokémon qui ont plus de niveau que ça, donc c'est pour ça que j'ai monté jusqu'au niveau 28. Tu es extraordinaire, Alex. Je crois que je comprends mieux pourquoi Suicune semble s'intéresser à toi. En tout cas, moi, je vais continuer à le poursuivre. Nous nous retrouverons peut-être un jour. Salut! Level 30. Oui, voilà, level 30. Alors, et du coup, la grotte ne sert à rien, puisque c'est pour le parc safari, et
je crois pas qu'on puisse y aller. Ça ne m'intéresse pas vraiment. En vrai, on aurait pu... Enfin, si, ça, on peut faire le parc safari si on veut. Est-ce que le parc safari, je peux le faire maintenant? Parce que j'avais vu des agents de sécurité qui étaient juste devant pour bloquer. Puisque si ça se trouve, il y a peut-être des bons Pokémon à choper là-bas. Hein. D'ailleurs, j'ai vu dans des herbes où je me suis... Où j'ai farm. Pour monter pour XP. Yo, mec! Il est plongé dans sa méditation, il ne vous entend pas. Mec, c'est chiant. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai vu un Dratak dans les herbes. C'était à côté de Roselia, je crois. Oh, j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, quand même, c'est pas mal !» Niveau 27 pour Ortide. Ah, et là, ils gagnent quelques niveaux. Hein. Point poison. Bomberk. Double type poison, non? Oui. Ouais, ça fait normal, donc... Surpuissance. Ouch! C'est super efficace. Et par contre, il perd de l'attaque et de la défense. On va changer. Bonsoir, Alexuki. Bonsoir, Super Gamer. Super Gamer. Entai. On va balancer un petit Entai. Dans la version de base, près du parc Safari, il y a un couple dresseur. Le mec envoie son Onyx et la meuf son Crustabri MDR. Tu as compris la référence? Et non, ce n'est pas du Nuzlocke. J'ai compris la référence. Ortide de plante poison, Alex. Il y a beaucoup de Pokémon plantes où je me dis... Est-ce qu'ils sont double type plante poison? Chaque fois, c'est... J'ai toujours du mal pour ça. 5 points de défense. Ouais, le spé de Drucaron est vraiment nul. Est vraiment nul. C'est pas vrai! Alors, du coup, on va changer de Pokémon. On va mettre... Hugo. Tiens, on va mettre Hugo. Comme ça. Voilà. Et. Hop. Je n'ai jamais... Je n'ai besoin de rien, même pas des mots. Je fais parler mes points. Bah alors pourquoi tu parles? Cogne-moi, s'il te plaît. Tu comptes faire encore du Pokémon à l'avenir ou pas? Bon, quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie. Bon, pour l'instant, on va terminer le let's play sur ce Pokémon. Après... J'aviserai, je ne sais pas ce que je ferai après. Peut-être pas un Pokémon. Ce sera très sûrement un Yu-Gi-Oh! En let's play live. Ish. C'est super efficace. Méga fouet. Ce sera très sûrement un Yu-Gi-Oh! Et bon, pour un prochain let's play Pokémon, je ne sais pas. Hein. On verra bien. Et Alex, n'oublie pas! Ok, très bien. Très bien. Négapi. C'est pas ce que je viens de défoncer là. Attendez, j'ai pas fait gaffe. J'étais en train de lire le chat. J'ai affronté deux Negapi. Platine. J'ai déjà fait platine dans un let's play il y a fort longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera encore Peggy 18? C'est peut-être possible. Deux Negapi. Genre deux Negapi, le random. Sacré random, hein. On joue à un sacré random. Tu viens de me refaire la soirée. Merci, monseigneur, d'avoir mis ma phrase... d'avoir dit ma phrase à haute voix. Ouais, exact. Bah, de rien, du coup. Nous autres, les vaillants artistes martiaux, n'avons peur de rien. Karatéka là-haut. Capoeira! Il est RP, lui! Salut, sur Twitch aussi. J'ai les pires Dracométéors. Oh mince, détection. Chiant. Dans champion, moi, je parie sur un Groudon au calme. Ouais, ouvrez vos paris pour le légendaire de... du champion d'arène. Parce que de toute façon, tout le monde a des légendaires. Enfin, tous les champions d'arène ont des légendaires. Ok. Méga fouet. Ah, il rate son attaque, t'es sérieux? Paresse. Hé!
Il récupère son énergie. Mais Hugo, Mimi éclate. Champion avec Magikarp. Ça se trouve, il a Magikarp. Hein. On pourrait avoir ça. Mais détection! Mais là, je suis sûr qu'il tapait en plus. Méga fouet. Mais mec! Double détection! À quel moment? C'est pas. T'as pas le droit. Méga fouet. Voilà, merci. Itran. Lumi éclat. Mais moi, cher. Le type relou, je suis dead. Mais oui, il est tellement relou. Ah, défense spéciale. Déjà que j'ai mon spécial qui est tellement baissé par mon. Par ma Dracorage. 798. Boum! Hugo niveau 29. Plus 2 partout. Lui, il est équilibré. Hugo est équilibré. C'est choquant! Mais moi aussi, ça me choque. T'inquiète. Exode! Let's go, Exode! C'est à ton tour de briller. Il reste plus que un dresseur. Nye! Et une grosse vanne. Voulez-vous la tourner? Oui. Alex, tourne la vanne. Voilà! Et du coup. Mais je voudrais quand même affronter le gars qui est là-bas. Du coup, ça servirait à rien d'aller le voir, celui-ci. Nos points furieux vont tailler ton équipe en pièces. Calme-toi, par contre. Hein. Il va tailler mon équipe en pièces. Il est vénère. 3 Pokémon. Oui? Là, il peut. Ouais. Ah, ça. Ouh, la fougue de la jeunesse. Ouh, la fougue de la jeunesse. Hop, rebouler. Oh, KLM. Oui. Lance-soleil. Oui. En plus, il a l'air vachement compliqué à affronter, lui. Et en plus, il rayonne. Moi, je dois me recharger. Bec brille. Lance soleil. Parfait, il te le sort. Aïe. Mais mec, c'est la ref pour que tu comprennes. La vidéo dure 3 secondes. Non, tu ne peux pas mettre de lien dans le chat. Bec vrille. Boum. Toujours plus, voyons. Et toujours plus. Non. Ok. Il se recharge. Il rayonne. Bec vrille. Tu rates pas. Yes, c'est bon. Simple question. Pourquoi c'est pas lui le champion d'arène, du coup? Je sais rien, mec. Et un Arceus, il m'a mis vachement cher sur un seul Pokémon, quand même. Le Dieu. Mais Tortank. Changer de Pokémon. Ok. Ouais. Toi, t'as des attaques, t'as point éclair. Ouais. Ok, tous les Pokémon de ce jeu sont random. Hey, Arceus et Tortank. Ok. En tout cas, ça fait plaisir de voir autre chose que du Yu-Gi-Oh, même si j'aime bien aussi. Et bah ouais, ça change un petit peu. Le Tortank, ça change aussi un petit peu. Point éclair. Vas-y, pouffe-toi ça. Oh là là. D'ailleurs... Ouais, il a pas forcément d'attaque haut. Amnésie. Ouais, défense spéciale augmente beaucoup. Point éclair encore. Putain, il est moche de dos, Entei. Mais laissez-le! Laissez Entei tranquille. Laissez les Entei tranquille. Salut, elle sache que c'est grâce à ta dernière vidéo sur Duelix que je me suis enfin lancé sur le jeu. J'étais convaincu que c'était un pay to win, alors que pas du tout. Eh bien, je suis content que ça a pu te servir, Katakuri. Par contre, il balance quoi comme Pokémon? Je n'ai pas vu. On continue le combat. Nidoking! Mais c'est lui le champion d'arène, sérieusement! Les gars, c'est lui le champion d'arène! Dracométéor! Bouffe-toi ça! Joli surnom pour Entei. Entei! Aïe! C'est la mèche 2.0. Salut. Bec brille. Non mais le mec, il a l'équipe de rêve. Je vous jure.
Il a tellement l'équipe que j'aimerais bien me faire. Laser glace est bien ou pas? Bref, on s'en fout. Ouvre-toi ça. Aïe aïe aïe, c'est bon, c'est super efficace. 1044 points expérience. Très bien. En pièces. Ouais, en pièces. Il m'a mis mes Pokémon en pièces. Hein. Allez, on va mettre Elec. Choisis dans ta tête un nombre. Oh là là, qui s'amuse sur Twitch, moi. Non, mais moi, c'est trop compliqué, ça. Il faut... Quoi? Des calculs dans ma tête? Alors que je suis en live? Mais t'es fou! Tu es fou! On va sauvegarder. Je sens venir le coup du... où Red va avoir un Arceus en random à la place du Pikachu. Pourquoi pas un Arceus level 91? Bonsoir, j'arrive pile pour un PNJ qui a les Pokémon puissants alors qu'il n'est pas le champion. Et le champion, il va avoir... Oh! Le flot impétueux qui se déverse sans discuter sur mon crâne viril, mais... Mais toi, la demi-portion, qui t'a permis de couper l'eau? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et tu vas voir, je suis balèze, moi. Je médite sous cette cascade plusieurs heures par chaque jour. Quoi? Ça n'a aucun rapport avec les Pokémon? Ouais, c'est pas faux. Bon, allez, finissons-en. Bon. Allez, on va le guignoler. On va le guignoler. Chuck! Oh, si, il a quand même un Rhinastock! Oui! Il a quand même un Rhinastock! Ça va, ils sont quand même bien entraînés, les Pokémon par ici. Hein. Un petit RP. Du coup, est-ce qu'il est RP, lui? Est-ce qu'il est... Bah non, pas du tout, puisque lui, il est roche mes couilles, donc non. Pince Mars! Oh! 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 Aïe, 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 roche sol. Aïe, 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 aïe. Tu comptes faire un prochain let's play sur Yu-Gi-Oh? Quand, STP? Je suis en manque. Le prochain let's play live à la place de Pokémon sera un let's play Pokémon. Let's play Yu-Gi-Oh. Ok! Jean-Tony! Let's go, team! Allez, hop, surf! Pouffe-toi ça! Ça, tu veux. Ouais. Il peut être RP avec le manga. Ah bon, dans le manga, il y a ça? Go, envoyer Janto, c'est le numéro 2. Alors, Absol va être envoyé. Continuez. Comment tu filmes ta DS? Là, je suis sur émulateur. Mais sinon, si jamais vous voulez filmer sur DS, il faut avoir un 3DS Capture Band. D'ailleurs, où est ma DS? Elle est là-bas, elle est en dessous de ma table de nuit. Mais j'ai un capture board aussi, mais je ne peux pas mettre en random sur 3DS. Je suis obligé de jouer sur émulateur. Le champion avait des Pokémon de type stylé. Oh oui, clairement. Il avait clairement de bons Pokémon Surf. Surf, de toute façon, ça fait plus de dégâts que Aatrox. Absol ténèbre? Non. Oui, il est ténèbre. Eh, pep. C'est coup de boule. Moi, ma DS, elle a l'écran du haut qui est mort. Hurle-t'en! 20h49! Si tu peux, avec une R4 et une ROM, random Pokémon DS. Vous me dites... Des termes assez compliqués pour moi. Vous avez battu champion Chuck. Fini. Moi, ma DSL, elle est belle. Alors, ça alors, je m'attendais pas à perdre. Tiens, tu as bien mérité ce badge Chuck. Le badge Chuck de Chuck. Je peux juste jouer à Saphir dessus. Ok, je peux faire vol. Et il me donne CT01. CT01... Mitra point. C'est vrai, Mitra point, une fois attaqué en premier, sinon elle échoue. Mais si tu y arrives, elle fait des dégâts gigantesques. Ok. Ouf, il me banne pas ce soir. Cette fois. Ah, bonjour, madame. C'est le badge de la reine d'Irisia. Alors, tu as mérité cette CS. 16-02. Très bien. Avec la précipité... Tu as déjà vité. Tu te balades comme ça, t'as des gens qui sont là. Ouais, t'as gagné ce combat, tiens. Je te connais pas, mais tiens, je te donne une CS.
Allô, c'est Célesta, bonsoir, ah, on m'a... qui dit Olivier, dit le phare. Si tu y amènes un pharaon, peut-être qu'il brillera. On ne sait jamais, hein. Non, mais il y en a certains, ils m'appellent, mais pour rien. C'est bien parce que Célesta, elle est bonne, mais... que j'ai répondu, mais sinon... Pff. Quand t'as commencé Pokémon? Au tout début, c'est mon premier Pokémon, c'est mon premier jeu vidéo. Pokémon Saphir. Alex, tu es hypé par le futur Legacy of Duelist sur Switch et vas-tu tryhard la méta comme un fou? Ou plutôt jouer fun et essayer d'avoir toutes les cartes? En soi, si tryhard la méta comme un fou, c'est pas trop mon délire puisque je préfère me spécialiser vraiment dans les speed duels et duel links. Ce qui est déjà assez voilà, y a déjà assez de choses à retenir avec tout ça. Hop, l'eau est teintée de bleu foncé et utiliser surf. Donc j'ai pas trop envie de... Surtout que le TCG, ça peut... C'est un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, c'est surtout... ça demande pas mal de temps pour tout assimiler avec le nombre de cartes. On va mettre un super repousse. Hop, utiliser. Et du coup, mais je pense que je vais plutôt y aller en mode fun. Hein. Je vais clairement... Je vais faire des présentations de deck pour. Comme je faisais pour Legacy of the Duelist premier du nom. Sauf que. Voilà, je vais faire des trucs fun, hein. Ça, je vais pas vous faire le dernier deck. Altergeist. En vrai, Brandish. Enfin, Brandish. Sky Striker, je vais peut-être en faire un. Mais ce sera pas un truc. Voilà, les pros TCG, ils vont me dire: oh, mais pourquoi tu utilises pas cette link qui te permet de faire un extra link? Moi, je vais. Ok, par contre, je voulais pas rentrer chez vous, mais monsieur, aimez-vous. Non, je vais jouer peinard, hein. Je vais jouer des decks qui ne seront peut-être pas tous hyper opti, mais ce seront des decks fun. Tu utilises pas vol? C'est vrai que j'aurais pu utiliser vol. Oh, ouais. Te spécialiser dans deux domaines où tu n'es pas bon. Exact. Donc, pourquoi me spécialiser dans un troisième domaine où je ne serais pas bon non plus. Pourquoi tu n'utilises pas Kagari, noob? Alors... c'est ici qu'il y a force, Alex. Ah, dans le bar? Bon, il va falloir aller chercher CS Force. Ce médicament va-t-il soigner, Faroi? Non. Je peux pas poster ce clip dans le resto, what the fuck. Alors, ne le prends pas mal, mais Fari n'accepte que les choses qui viennent de moi, alors... Fari, comment te sens-tu? Fa-fa-fa-fa! Oula! Ok, calme-toi. Ouais, ok, calme-toi. J'ai acheté le pouvoir du duel en carte Yu-Gi-Oh, c'est un bon investissement. Yes. Oh, ça a marché, quel soulagement! Merci infiniment, tu nous as sauvés. Bon, je retourne à l'arène. Ok. Et du coup, on va pouvoir faire notre deuxième arène. Deux arènes en une demi-heure de live. Ça, c'est bien. On est plutôt pas mal avec ça. Alors, par contre, on va peut-être pas être au bon niveau, puisque je sais plus à quel niveau ils sont, les Pokémon de la nénette. Nice clip, gnoll. Ouf. Alors, Baoba. C'est qui? Ah, c'est toi, Alex. C'est moi, Baoba. Désolé pour l'attente. Le parc est enfin ouvert. Tu sais où il est? Tu vois le portail creusé dans la roche à Irisia? Tu le passes et voilà. C'est un peu éloigné, mais voilà. Je m'en fous. Tiens, question. Tu as aussi random les Pokémon fixes, histoire de remplacer l'Eviator Shiny? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque on avait déjà affronté un Pokémon fixe Je crois que c'était le bon Pokémon. Toi là, tu entraînes tes Pokémon quand on se promène en montagne. Hein, capacité force, il est possible de les déplacer dans les montagnes. Ok. Je passe toujours par le café, la nourriture est tellement... Hein. Blub, blub, ah, ça va mieux, c'était coincé là. Ah, les gars, comment on fait pour avoir la... Peut-être après l'arène qu'on aura force. Bonsoir Alex, ça va? Moi je viens d'avoir une coupure de courant, donc désolé du retard. Mais y a pas de soucis, venez comme vous êtes. Comme vous êtes et comme vous voulez. Hop, sauvegarder. Oui.
sur mon Nuzlocke, j'ai eu un Elector Shiny à la place du Léviator Rouge. Ah! Tout va bien. C'est pas comme s'ils seront au niveau 36. Ils sont pas niveau 33, genre, un truc comme ça. C'est pas un truc du genre. Yo! Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu dis là? Te voilà, tu as dissimulé ta force pour le champion de l'arène, mais il est temps de montrer ce que tu sais faire. Allez, éblouis-nous. Fork. Hein? Tu m'avais montré ta puissance dans le phare déjà. Maintenant, tu vas te frotter à Jasmine. Je suis avec toi. Hein? What? Te voilà, tu es. D'accord. Ok, c'est une arène où les gens ne veulent pas nous affronter en fait. Tout va bien. Ok. C'est Taco qui fait des rollbacks. Vous aussi, vous êtes revenu en arrière. C'est toi qui est revenu en arrière. Ok, j'ai eu la même. C'est parce qu'on les a tous affrontés dans le phare qu'ils ne veulent pas nous affronter. Et... très bien. Très très bien. Allez hop. Merci pour ce que tu as fait au phare. Mais cela ne compte pas pour ce combat. Laisse-moi me présenter proprement à nouveau. Je suis le champion d'arène Jasmine et j'utilise les Pokémon de type... tadam! Acier! Tu connais le type acier, non? Les Pokémon de ce type sont durs, froids. Ouh, ils sont durs, oui. Le froid est très plus puissant, hein? N'est-ce pas? Calme-toi. Calme-toi! Jasmine, best girl, les gars. Regardez-la. Waouh. Démanta! Ça, c'est un bon Pokémon acier, les gars. Ça, c'est un bon Pokémon acier. Acier car elle aime ce qui est dur. Quoi? Quoi? Prochain venin. T'affrontes que Jasmine. Salut Alex! Salut, bonsoir Alex Yuki. Les modos et le chat. Comment ça va? Ça va très bien. Hop, par contre, on va changer. Hein. On va mettre un petit. Hentai! Qu'est-ce qui est dur et puissant? Les Pokémon de type acier! Point clair. Elle aime les ailes dures. Jasmine aime les trucs durs. Yes! Waouh! Vous êtes resté sur ça. Hein. Et elle a un Stylix. Mais non, elle a pas de Stylix. Regarde! Elle va te sortir un Ramboum! Continuer le combat. Les Pokémon de type roche. Boum boum boum! Niveau 35. Brise moule. Pied voltige. Il y a un bug. Yo! J'avoue, il y a un bug dans les Pokémon. Pourquoi ça se... comment ça se fait que... qu'elle a un Ramboum dans ses Pokémon? Bélier. C'est ça. Mets-toi KO. What? Oh, calme-toi. Pied voltige. Mais... non, mais en plus c'est... non mais Entai! Il s'est tué lui-même! Quel guignol! Quel guignol! Hugo. Acier dur, Entai brise-moule. Eh oui. Tout est là. Tout est là pour satisfaire les abonnés. Le grit useless. Grito. Entai n'était pas assez dur. J'ai bien l'impression. Il était... ouais, il était pas assez dur. Hugo qui fait le taf. Cas d'oiseau. Par contre, elle avait une équipe de merde. Clairement. Elle a vraiment pas une équipe ouf. Hein. Aïe. Eleko. Go. Cas d'oiseau est envoyé par champion Jasmine. L'acier trempé ne rouille que pas pour si peu. Ça, c'est un bon Pokémon acier aussi. Déflagration. C'est quel Poké, Entai? C'est Entai. Il n'a pas la queue de fer. Oh là, trempé. Oh là, les gars. Oh là, trempé, hein? Oh là, vous êtes plus beauf que moi. Et il faut y aller, hein. Vous êtes plus beauf que moi. Elle a dit qu'elle mouillait la championne acier? Quoi? En tant que dresseur, il me semble que c'est toi qui domine en force. Ouais, c'est moi le dominant ici. Tiens, mais il y a trop de... elle fait trop d'allusions perverses, là! C'est pour ça que c'est la meilleure. Jasmine, best girl, les gars. Domino? Dominé, plutôt? Elle mouille, apparemment. Alors, comme le veut la ligue, voici mon badge. Oh! Son badge? Oh, non.
Ah, le badge minéral. Trop sensuel. On a le public qu'on mérite. Ouais, je pense. Alors, le badge minéral te permet de te faire obéir. Les Pokémon que tu auras reçus jusqu'au niveau 70. Et puis, c'est aussi pour toi. 3 petits points. C'était 23. Alors, elle va me donner quoi comme... Avec cette capacité queue de fer. Elle m'a donné une grosse queue de fer, yes. Oh, man. Grâce à sa queue rendue très... Oh, non. Oh, non, le chat. Non, calmez-vous. Oh là là là, non. Grâce à sa queue rendue très dure. Ouais, sa queue très dure. Ton Pokémon inflige de violents coups. Oh, des coups violents qui peuvent diminuer la... Oh, diminuer la défense de l'adversaire. Je ne suis pas très doué pour les encouragements, mais... Bon courage. Vous êtes tous fous, what the fuck. Je vais tout, devoir tous vous ban. Oh, les modos en PLS. Donne-le un Pokémon avec le talent Brise-Moule. Je veux que tu t'en serves avec tes Pokéballs. La queue de fer plus Brise-Moule. Eh, toi là, tu entraînes tes Pokéballs quand on se prend mal. Avec un... Mais du coup, elle est où la capacité force, les gars? Elle est où la capacité force? Mais je suis doué pour autre chose, quoi. Allez, c'est fini, on passe à autre chose, ouais. Jasmine, au revoir. Au revoir. On a dit qu'à... Kikine, on a dit qu'on passait à autre chose. Donc il va falloir te ban. Il va falloir te ban. Bloquer ton pot. Mais Dark, il m'a... Oh, mais Dark, il m'a devancé. Punaise. Oh. À une prochaine fois, peut-être. Et c'est la maison au-dessus, Alex. T'as pas force, mais une queue de fer. C'est peut-être mieux. Alors, la maison juste au-dessus, celle-là. Alors, salut. Qui dit Olivier dit mer, et qui dit mer dit pêche. Ça fait 30 ans que je pêche ici. Toi, tu devrais pas essayer... Ouais, donne-moi la canne. Super canne. Il n'y a pas qu'à la mer, blablabla. Après, tu continues vers la droite, il y a un montagnard qui fonce dessus. Quoi? Comment ça, je continue à la droite? Non, ici, on y a déjà été. Après, tu continues vers la droite, il y a un montagnard qui fonce dessus. Comment ça? Comment ça? Yeah. En bas à droite. En bas à droite. Ici. Mais random. Je suis plus ban à cause des liens. La ville où tu as rencontré Léo. Quoi? Mais qu'est-ce que... Donc quoi? Arceus level... Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous suis plus. Il faut que tu retournes à Rosalia et ailles à droite. Voilà. Pas besoin de la CS Force du coup. Sac. Donné au joueur par un montagnard sortant du mont Creuset pour ce qui suffisait de lui avoir foncé dedans. Okay. Alors, on va prendre la CS Vol. Utiliser. Ville au nord-est. Ok. Un montagnard sort d'une grotte. Alors, Kikine, tu vas te faire ban. Hein. Je pense que tu vas te faire ban. Du coup, toi, t'es apte. Toi, t'es apte. Mais non. Remplacer une capacité par vol, oui. On va remplacer... Hurletant. Ouais, Hurletant, ça peut être merde. Mon CS clave, Jean-Tony. Hop. C'est bon, j'ai compris, les gars. J'ai compris pour force. J'ai compris. Allez, hop, Pokémon. Et Jean-Tony va faire vol. Et on va aller ici, vol. Il a dit quoi, le mec? J'avoue, il a dit quoi, le mec? Et du coup, j'ai toujours pas force, en fait. J'ai rien dit, je suis un guignol. Du coup, il faut aller à droite. Il va falloir aller ici. L'important, t'inquiète, c'est juste un guignol. Allez, on va prendre une Pokéball. Recyclage. Et... Il y a un gros arbre secouable devant.
Attendez, je suis sûr qu'il y a un objet par terre là. Non, même pas. Pourquoi avoir fait un truc comme ça? Boum! Oh là là, quel maladroit, j'ai failli réduire un innocent dresseur en bouillie. Tu n'as rien pour me faire pardonner, je vais te donner ça, alors ne pleure pas, hein. 16-04. Aïe aïe aïe. Prends la mer et va vers le bas. Sa capacité forte, si l'un de tes Pokémon la connaît, tu pourras lui demander de pousser les rochers qui l'empêchent. À la vie de Montagna. Je cherche objet. Et Suicune. Tiens, on va aller dans, sur une houle teintée d'un bleu magnifique. Allez, on va essayer de capturer les Pokémon. What? Pas du tout, en fait. Ah, si. Est-ce qu'il y a... Ce sera notre prochain Pokémon? Nah. Hypnomade, non. Le cherche-objet est dans la maison à Rosalia avec... entre le centre et l'arène. Ça peut être pas mal. Alors... tire debout. On va entraîner un petit peu Bras et Gali quand même. Voilà, on va mettre quelques Pokémon KO. Super. Un pédophile Poggers. C'est vrai. Embargo. Il ne peut plus utiliser d'objet. Non, on va fuir. On va fuir. C'est tout ce que je voulais faire. Ah, il y a Suicune. Cet arbre semble pouvoir être coupé. Oui. As-tu un péché? J'aime pêcher, ouais. Zoup, zoup. Oh, tu pousses pas comme ça. Hein. Eh, mais... Ah non, il va encore vouloir m'affronter, c'est ça? Suicune, quelle vaillance, quelle fraîcheur, quelle beauté, quelle vitesse pour m'échapper. Eh, tu es toujours là où Suicune apparaît. Mais je ne t'en veux pas, car tu ne peux pas désirer Suicune plus que moi. Mon grand-père, il connaissait toutes les légendes. J'ai appris toutes celles de Suicune dès mon enfance. Suicune, je te poursuivrai jusqu'à que tu trouves... Jusqu'à ce que je trouve où tu te diriges. Prépare-toi. Calmez-vous, hein, pour la, l'animation de machin. Alors, noix grumier. Hop, alors on va récupérer les noix grumes. Noix grumes vert. Aïe, aïe, aïe. Alex, aurais-tu l'intention de jouer à d'autres Pokémon? Si oui, lequel? En vrai, si jamais je devrais faire un autre let's play de Pokémon à l'avenir... J'ai pas vu ça. Attends. Ah oui, c'est Kikin qui raconte des guignoleries. Donc, qu'est-ce que je disais? Flûte rouge! Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. On va aller là. Noir et blanc, best Pokémon. Alors, je ferai très sûrement le deuxième Pokémon donjon mystère. Si c'était... Si je faisais... Si je voulais faire un autre Pokémon. Si je devais faire un autre Pokémon, ce serait... Ouais, peut-être noir et blanc. Oui, Roserade. Roserade, Roserade. Crochet Venin. Ouais, mais c'est plan poison, ça. Pokémon... Après, je sais pas quelle version faire. Est-ce que je ferais Ciel? Donjon Mystère Ciel? Ou est-ce que je vais faire Pokémon Donjon Mystère Temps ou Ombre? Je ne sais plus quelles sont les versions. En tout cas, je pense que si je devais faire un prochain Pokémon, ce serait peut-être Donjon Mystère, là. Et après, sinon... Peut-être un Pokémon Ranger. Pokémon Ranger serait aussi quelque chose à faire. En sans fleurs. Et sinon, Pokémon Noir et Blanc. Genre l'un des trois. Ciel est bien mieux. Pokémon Fusion est cool. Roserad. Il n'y a que les Roserad. Donjon le meilleur. Ok, bon, je ferai celui-ci si l'occasion se présente. Alors, au lieu de dire noir et blanc, pourquoi pas Blaze Black ou Vault White, où tu peux capturer de toutes les générations jusqu'à celle de noir et blanc. Quoi? Le ciel est plus complet, il me semble. Oui, puisque c'est un petit peu comme Platine. En vrai, je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça, hein. Allez. En fait, il n'y a pas de dresseur par ici. Herbe mentale. On testera. De toute façon, ce ne sera pas encore pour tout de suite. Peut-être plutôt en fin d'année. Quoique, en fin d'année, là, en fait, je suis dans une période où je peux pas faire trop de let's play. Puisque moi, je compte faire que des let's play sur des jeux qui viennent de sortir. Je compte plus faire autant de let's play qu'avant. Moufouette. Nul. Et...
du coup, genre, en fin d'année, il doit y avoir pas mal de jeux manga que je voudrais bien faire, qui sortiront cette année, qui ne sont toujours pas sortis. Et j'ai bien peur qu'il y en ait la plupart qui sortent sur les 4 derniers mois de l'année. Donc je sens qu'on va avoir plusieurs let's play d'un coup. Permuforce. Mm-hmm. C'était inutile, tire debout. Et après en let's play de prévu soon, à part Legacy of Duelist Link Evolution, que je ferai dès sa sortie. Après, il y a l'extension, enfin le nouveau DLC de Shingeki no Kyojin 2. À quand Neptunia, quand il sera traduit en français. Ah, très fadé. Yu-Gi-Oh sort quand déjà? En été. Il n'y a pas de date, mais c'est en été. Tire debout. On a une date FR pour Legacy, en été. En été, voilà. Ah donc jamais quoi, NDR. Ouais, voilà. Fais un let's play sur Fortnite. Ok, let's go. On va faire un let's play sur Fortnite. Force nature! Éboulement! Bam 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 bam! Fait fallait pas mal. Bon, par contre, je compte pas le capturer. Hein. Plus la merde. D'ailleurs, il est niveau 29, je pourrais changer mon Brazegali. Hop, ordre pour Exode. Ok, on part pour une sortie en août. Si en plus c'est une sortie en août, ça va être un petit peu chiant. En vrai, j'aimerais bien que ce soit en juillet. Pour la sortie du jeu Yu-Gi-Oh. Ça pourrait être assez sympa. Pour mon planning de live, ce serait plus pratique. Meilleure attaque du jeu, métronome. Fuite. Et je veux pas ça, donnez-moi des vrais Pokémon. Oh, please. Un Stylix dans une équipe qui l'a remarqué. Trio Picker dans l'eau. Oui. non, pas de Trio Picker. Tu feras de Street Fighter un jour. Oh, Kabuto. Ouais, mais Kabutops, c'est vraiment le tard. Mais je vais quand même essayer de le capturer. Allez, on va le capturer. Avec vrille. Kabutops serait pas mal. Et d'ailleurs, il vole pas trop, hein, tout va bien. Coup critique. Et je ferai Alicization Licorice, bien sûr. Je le ferai. J'ai pas ma liste de jeux que je voudrais faire sur ce PC, c'est sur l'autre PC. Bowls. Mais normalement, cette année... Normalement. Je sais pas s'ils avaient annoncé cette année pour le Tokyo Ghoul. Le jeu Tokyo Ghoul, je le ferai très sûrement en let's play. Je sais plus ce qu'il y a comme jeu qui devait sortir en 2019 et que je voudrais bien. Code Vein. Code Vein, je veux le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Forbidden Memories ne me tente pas, non. J'ai pas compris c'était quoi comme jeu. Attendez, faut que je donne un nom. Qui veut donner son nom à Kabuto? Qui veut donner son nom à Kabuto? Alors... Ouais, mais ça... Salut Alex Yuki, je t'ai découvert grâce à Daniel Rampa et je t'adore. Merci à toi Napsta. J'ai une vidéo sur Daniel Rampa prévue pour ce mois-ci. La semaine prochaine. Du coup, le premier, c'est Dadou. Donc, on va l'appeler Dadou. Hop. Dadou, 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 Dadou. Dadou, 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 Dadou. Hop. Vous allez être abandonné. J'avoue que ça peut être possible que vous soyez abandonné. On peut pas passer par là, d'ailleurs. Je crois pas. Il y a deux cases ou une case? Une case. Ah! Je me fais agresser encore. Oui, je suis un Kabuto. Negapi. Appelle-le Naruto. Kabuto le Naruto. Hop. Peut-être on va faire surf. Mais oui, Dark, ce sera un magie rêve. Bah oui. On attend toujours le magie rêve pour toi. Hein. Mmh, 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 mmh.
pris au piqueur. Il veut un autre Pokémon. Le Kabuto, éventuellement, hein. Moi, ça me dérange pas. Mais bon. On fait encore quelques Pokémon sauvages et en vrai, si je vois que c'est toujours les mêmes, je vais mettre repousse. Juste respect pour le trio Picker Surfer. Aïe aïe aïe. Le trio Picker Surfer. Oh là là. En vrai, c'est chiant quand même. Trio Picker Surfer. Exodor. Alors, ok, une Pokéball. Pierre Foudre! Bien ça. Repiqueur de type sol haut. Si tu es un Pokémon et que je dis. Hein? Si tu es un Pokémon et que je dis moi, en premier, appelle-le Ryuk. Le dieu de la mort. Hop. Alors, on va mettre bleu foncé. Tu peux avoir aussi le Pokémon qu'il y a avec la super canne. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un Latios. Oh, mais il m'enjaille pour ça. Oh. Il m'enjaille pour un Latias. Mais je vais le capturer quand même. Je vais le capturer juste pour avoir un légendaire, mais... Je pense pas le prendre dans l'équipe. Il va se faire one-shot, si c'est ton principe. Télékinésie. Oh, il rate son attaque. Yeah, yeah. Super Bowl. Let's go. Super Bowl! 1, 2, 3, wouhou! C'est pas comme si t'en avais déjà 3 ou 4. Oui, je fais toute la collection. Mon pseudo serait parfait pour ce Latias. Bah non, il est rouge, ça serait pas bien. Et à partir de maintenant! Ah, bah Akiu. Très bien. Akiu a été plus rapide que moi, voilà. Alors, Akiu. Alors, Akiu. Au moment où j'ai dit ça, il a mis le moi, donc j'y peux rien, les gars. Hein. Rappelle le Zeus, quoi. Hop. Je l'appelle moi, sinon. Hein. Hop, allez, c'est envoyé. Je suis légendaire, yes. Mince, il y a une Pokéball qu'on a ratée. Oh, et en plus à l'autre côté. Ouais, bah, qu'elle aille se faire voir. Qu'elle aille se faire voir. Mais du coup, le taux de capture est randomisé. Non, il est simplifié. Je l'ai simplifié juste pour pas que ce soit trop galère dans le let's play. Hein. On va utiliser la canne, vous avez raison. C'est ici. Alors. Enregistrer. Utiliser deux. Annuler. Rien de rien. Ok, super. Un Pokémon a mordu l'hameçon. Allez, pêche-nous un Groudon. CRP, un Lanturne. Aïe, aïe, aïe. Mais le Lanturne, ça m'intéresse pas. Alors, on en retente un ou deux. Un Pokémon a mordu l'hameçon. Je suis obligé de spammer ma touche pour le prendre ou... Lanturne. Ou genre ça le prend automatiquement. Allez, encore deux essais. Rien de rien. Ah, si, un Pokémon a mordu l'hameçon. Et là tu sors Sulfura. Allez, un Kyogre. Lanturne. Normalement, tu appuies qu'une fois. Ah, bah, du coup, je suis obligé. Non. Je suis obligé d'appuyer quand même. Genre, c'est pas un truc autant. Mon dieu, hameçon. T'aimerais quoi dans une prochaine box Yu-Gi-Oh! Duel Links? Oh, mais ça pue la pizza. Rien de spécial. J'ai pas trop d'idées. Mettez-moi quelque chose de fun. Please, Knami. Ouais, c'est le remplaçant de Magikarp. Peut-être bien. Attendez, on peut aller ici.
Il faut rose noir. On n'a pas été ici. Yo, yo, Hugo. Ça va très bien. Trop de légendaires. De hentai. Dégage là. La prochaine box devrait être annoncée après la mise à jour du 25. Probablement. Cascade. Ok. Alex, la chance. Azumarill, mais me mettez pas les pires Pokémon en Pokémon sauvage. Il ne peut y en avoir qu'un. Une taille trempée du coup, je pense. Allez, deux essais ici. On fait deux essais. Oh, un Pokémon a mordu. RIP Entai Junior. le Momartic. Momartic. Je veux. C'est pour moi ça. Ça c'est pour Dark. Allez, Dark. Oula. Il a pris un petit peu cher. Il a pris un petit peu cher. Putain, on voit. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Sac. Dernier objet utilisé. Super Bowl. Boom. J'ai mon câble qui s'embrouille. Ok. Alors lui. Alors lui, les gars. Il est par contre, Akiou, calme-toi. Il est un pleur. Qu'est-ce que ça pleure là? Il a l'air d'avoir les pires attaques quand même. Dernier objet utilisé. Ouh, Super Bowl. Go. What? Ah, mais Dark, t'es chiant, hein. T'es chiant, un peu. Hein. Je suis libéré de claquoir. Genre tout ce que. Tout attaque que je ferai, je me ferai one shot. Super Bowl! Go! 1, 2! Oh! Et il y a encore de l'orange, ça me saoule. Ah, frappe Atlas, ça c'est pas dégueu après. J'ai rien fait, fui. Aïe 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 aïe. Dernier objet utilisé! Super Bowl! Go! 1, 2, oh, ah, presque. Frappe Atlas. Et en attendant, il est en train de défoncer Exol. 1, 2, et il n'y a eu que 2. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais utiliser un autre Pokémon. Un Pokémon qui ferait pas trop de dégâts. Jean-Tony. Non. Entai. Je réfléchis à des trucs, hein. J'ai bien peur qu'à chaque fois, ça va le one-shot. Hugo. Dark, t'es chiant. Vous pensez que si je fais méga fouet pour le mettre dans le rouge, est-ce qu'il va survivre? Oh, il a 9 niveaux de plus, quand même. Et il est fort en attaque. Hyperball. Go. 1, 2, frère. Non, fait ténèbres. Ah, il a plus de 20 PV là. Non, 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 non. 20, il est niveau 20, il a plus de 20 PV là. 29 PV, je veux dire. Starfoulor. Hyperball, go. Where is my basketball? 1, 2, 3. Yes, enfin. Oh, le Momartic, Dark, t'es chiant. Pourquoi t'as des Pokémon aussi cheat alors qu'ils sont bas niveau? Mais c'est parce que je suis un randomizer. Allez, donnez un surnom. Allez, on va l'appeler Dark. Un Geeko sauvage va pop à tout moment. Yeah. Hop, alors. Dark. Dark, c'est mer. Oui, R. Zop, zop, Dark. Allez, on ira le chercher dans notre boîte plus tard.
On va mettre toi là. Je me rends compte que être stocké au PC, c'est pas trop mal finalement. Au moins, je ne me prends pas de patates de forain. Un petit peu. Hein. Je dis voilà. Ouais, mais dépêche-toi, Lugia. Hein. Mets-toi dans l'eau. Waouh! Je me fais agresser dès que je vais dans l'eau. Un Gopou! Un Gopou! Les gars, je le veux. Mais je veux le one-shot! Que poison, ça fait que dalle de dégâts. Jean-Tony Loger. Non, Gobou! Il a fait un coup critique. Ça va être le nouveau... L'original, en plus, c'est vrai. C'est l'ori... C'est le Jean-Tony original, le Gobou. Futur Lagrone. Ouais, il faut que je retrouve un... Ouais. Je vais l'appeler Jean-Tony Auger. Si j'en retrouve un, je vais l'appeler Jean-Tony Auger. Bon, du coup, à mon avis, le Kabuto, je vais pas le mettre dans mon équipe. Je vais mettre... Mais dégage, un seul lourdeau. Je vais mettre le Dark et le Jean-Tony Auger. Hop, fuite. Original. Un OG. Nickel, il est bleu, c'est bon pour moi, je valide. Un seul lourdeau, mais non, je ne veux pas d'un seul lourdeau. Je veux être un seul lourdeau. je suis niveau 29, je progresse vite, tu trouves pas, Alex? Fais gaffe, hein, peut-être que tu vas être le prochain à quitter l'équipe. Selon le vote du public. Ah, oh, niveau 19! Voilà! C'est ça que j'aime. J'aurais moins besoin de le farmer. Que poison! Nani? Ball. Pokéball. Un. Deux. Trois. Voilà, lui, il se laisse faire. Giko dit oui, STP. Bon, les gars, je l'appelle comment? Je l'appelle Giko ou je l'appelle Jean-Tony Oji? Non. C'est soit Giko, soit Jean-Tony Oji. Mais ça se trouve, j'ai pas la place pour dire Jean-Tony. Jean, ouais, voilà, on s'en fout de Giko. Boum. Et boum. Jean-Tony, Jean. Voilà, ce sera pour Jean-Tony. Alors. Jean. Oh, j'ai pas la place. J'ai... Attendez. Hop, on va faire comme ça. To... N, Y, O, I, G. Voilà, c'est le Jean-Tony OG. C'est pas un gecko, c'est un axoloto. Oh, please. Jean-Tony, je vais te soulever. Hein. Seriflore. Hop, fuite. En tout cas, on peut se refaire une bonne équipe là. Yo. Je vais te montrer la puissance des Pokémon que j'ai pêchés. Je vais me sortir des Magikarp, puisqu'il est RP. Des Pokémon, il y en a un. Par contre, il est RP, lui. Vol! Pourquoi veux-tu te débarrasser de moi? Mais en fait, le Galam, il a que des attaques nulles. Avec très peu de précision, en vrai. C'est ça le problème. Au début, bah, si ça touche, il est bon, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de précision. C'est chiant. Jean-Anthony monte niveau 29 et il veut apprendre Cauchemar. Mais je ne vais pas... Non, 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 Cauchemar. Et alors, doit-il arrêter? Abandonner Cauchemar. Le jus d'orange. Non, 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 non. Donne-moi ton numéro. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Mon creuset abrite la grotte cascade.
Ok. Qu'est-ce que... 29, 29, 29, Entai, ordre, toi. Alors, parle à Lugia. Oh, il est content, Entai. Entai a vraiment l'air content. Hé, toi, c'est ma base secrète ici, c'est interdit aux intrus. Comme toi. La vidéo avec le stagiaire, ça m'a fait tellement rire. Mais moi aussi, je vous jure, même moi, j'ai re-regardé plusieurs fois ma vidéo. Parce que ça m'a tellement fait rire. Point clair. Le stagiaire m'a fait tellement rire, ce boss. Des rappels et des super potions seront pas trop... Non, ça va. Ça va, ça va. Fauchage. Pas tellement tenté par fauchage. Wistampo du feu. Graiena. Continue le combat. Graiena. Par contre, ils ont pas beaucoup d'attaques. Ils ont pas beaucoup de niveaux. Je one-shot tous. En vrai, est-ce que j'ai dodgeré pas pour essayer d'aller chercher plus vite mes Pokémon tourne ton regard. Je voulais les dodge, je voulais le dodge. Tu veux savoir ce qui se cache au fond du mont creusé? Je te l'apprends si tu me bats. Oh. Puisqu'il a les Pokémon nuls. Mais voilà, niveau 15, c'est parfait pour mon gobou. Ouais, fauchage, ça met un PV, ça peut être cool, en effet, mais... Draco Météor. Si tu cours, il te voit, of course. Faut pas, sinon il se retourne direct. Et... Oh, t'aurais dû passer dans l'herbe. Cranopo, changer de Pokémon. Drucaron. Reste sur marche, au lieu de courir, tu l'esquiveras bien plus facilement. Ok, 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 ok. Hop, coque armure. Séisme! Bouffe-toi, séisme. Hop. Alors, bouffe-toi ça. Des 165 et Flobio. Continue le combat. Et le Flobio, hop, on va lui mettre un marteau bois et il va comprendre. C'est dommage, j'aurais pu mesurer mon Jean-Anthony OG. Mon Jean-Anthony OG à tous ces Pokémon qui ont pas un haut niveau. Rosalia, au 42. Acajou, voilà, Acajou, avec une arène. Je sais pas pourquoi les Pokémon étaient aussi faibles là. Hop, déjà soigne-moi mes Pokémon là. Tu as déjà fini l'event du bingo? Non. D'ailleurs, il se termine quand l'event du bingo? Le 25, un truc comme ça? 24, 25? Faut que je fasse encore quelques missions. 25. Exode est en forme. Bon, allez les gars, on va se décider. On va se décider. Hop, allume le PC. PC de Léo. Non, c'est pas déposer Pokémon. Tout se termine le 25. Tous les events se terminent le 25. Il y a combien de feuilles sur le bingo? 3. Alors. Équipe Pokémon. Changer. Voilà. Alors, nous, on veut mettre ça dans notre équipe. On a un Simiabraz aussi, hein. On peut éventuellement prendre le Simiabraz. Là, tout ce qu'il y a au-dessus, on garde pas. Donc, du coup, attendez, on va déjà regarder les capacités qu'ils ont. Alors, toi, t'as Claquoir, Implore, Fracasse-tête, Frappe-Atlas. Augmente la vitesse du Pokémon s'il pleut. Bon, c'est pas le plus dégueu. Ensuite, on a Gobou. Tombe-Roche, Danse-Plume, Télékinésie, Destruction. Empêche les combattants de s'autodétruire. Glissade MDR. Ouf, Dark il glisse. Hein. Donc lui, il a les pires attaques. Et toi, t'as Griffon, Relâche, Triple Pied, Flatterie. Oui. Alors. Du coup.
Alors, les gars. Attendez. Toi, tu dégages quelque part. Attendez. On va faire le tri. Vous, vous dégagez autre part. Voilà, faites votre vie. Voilà. Donc ça, c'est les Pokémon qu'on peut éventuellement prendre. On peut éventuellement enlever lui, lui, lui ou lui, puisqu'on les a depuis longtemps. Les deux autres, on va les garder, puisque ça, on les a depuis très peu d'épisodes. Donc du coup, hop. Il va falloir... est-ce qu'on garde le Gobou? En vrai, le Gobou est bien, mais... enfin, pour un Lagron à la fin. Mais frère, il a des attaques nulles. Il a des attaques tellement nulles, j'ai pas envie de le prendre. Simiabras, Querelleur. Querelleur, Upscaps. Je suis un peu humide à cause de bébé... quoi? Destruction qui ne va pas avec sa capacité spéciale qui l'empêche de s'autodétruire. Tellement violent. Simiabras, attaque pas ouf. Nul au début, non, garde Lugia. Hop. Querelleur. Les capacités touchent les Pokémon Spectre. Pas mal, hein. Puisqu'il a triple pied. C'est de la merde, ces attaques. Chantonine. Donc, du coup... garde Lugia, on me dit. Bon, on va dire qu'on garde Lugia, puisque c'est notre CS clave. Lui, en vrai, il a des attaques nulles. Allez, il dégage. Genre, à moins qu'on trouve un autre Gobou ou un Lagron direct, mais il a des attaques nulles. On a toujours le Simiabras. Simiabras qui s'appelle Simiabras, on l'avait pas rename. Ah si, il s'appelle Kikin. Mais voilà, il s'appelle Kikin. Ouais, c'est marqué ici. Regarde sa nature à Simiabras. Mais oui, j'ai vu que Rayleur, ils peuvent taper les Pokémon Spectre. On prend le Simiabras. Si on prend le Simiabras, on enlève Elec. Puisque ça fait deux Pokémon Feu, ça fait même trois Pokémon Feu avec Entei. Genre, il faut enlever absolument Brazegali. Enfin, Brazegali, il a déflagration, tir de boucle, crochet venin, force nature. Il a des trucs corrects, mais c'est pas le mieux. Hein. Hop, on va dire qu'on l'enlève. On va mettre Simiabras. Bon, Dark va remplacer qui? Exode ou Galam? Super, ça me kick. Au pire, Team Full Feu. Prends mon article. Il y a quoi dans la boîte poubelle? Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Mais bon. Je me fais remplacer par Kikin, genre. Je me sens insulté. mets des CT au pire sur le Simiabras. Ouais, j'en mettrai. Après, j'ai pas de très bonnes CT. Hein. Dark qui remplace Elec. Alors. On a Rockboulet, Becvrie, Revenant, Coupe. On a Exploforce, Ténèbres, Dracométéor, Vegafouet. Je serais bien tenté d'enlever le Galam, en fait. Hein, puisque le problème, c'est qu'il a Ténèbres. Ça pue la merde. Il a Exploforce et Vegafouet qui ont peu de précision. Et t'as Dracométéor qui... oui, ça fait 5. Je ne veux pas être kick, Alex. T'as pas le droit. Et Nido a un talent inutile. Un modo peut faire un Stropole. Faites un Stropole. Faites un Stropole. Chart Galam. On va faire un Stropole. Ce sera plus simple. Hop. Attendez, je vais faire un Stropole rapidement. Stropole. Hop. Je le fais. Alors. Qui dégage. Hop. Voilà, qui dégage. Point d'interrogation. Galam. Ou alors, on a dit Nidoking. Oui, il n'y a plus de son, vous inquiétez pas. Nidoking. Allô, multi. Create. Hop. Je vous l'envoie. Voilà. Alors, on reprend le jeu. Allez, répondez au Stropole. Stropole. Voilà, on va voir. Zouk. Dites-moi tout. Zoup. Vous avez bien reçu dans le chat, oui. Répondez au Stropole. Je suis gentil, Alex, ne sois pas méchant. On peut revoir les stats de... et talents. Alors, Nidoking soit poison, ce qui n'est absolument... En fait, il n'est pas... il ne peut pas être empoisonné, sachant que c'est un type poison, donc forcément, il... il est... Genre, il peut pas être empoisonné, de toute façon. Et derrière, on a Galam,
Tête de Rock, protège le Pokémon des dégâts de contre-coup. Exploforce, Ténèbres, Dracométeur, Méga Fouet. Rock Boulet, Bec Vrille, Revenant, Coupe pour Dinokin. Oh, c'est serré! C'est serré! 11 votes pour le Gallam, 9 pour le Nidoking. Vote unanime. Mais non, le... Mais non, 11! 11 chacun! Non! What the fuck? Allez, le prochain vote décidera. Gallam, tu dégages. Je suis à 50-50 là. En plus, ça a bugué sur le E. Mais Virugo, nique les abos nuls. Ah. What? Ça reste à 50, hein. Le truc, c'est que t'as déjà Simiabras en type combat, donc bon. C'est vrai. C'est vrai. Putain, mais c'est à 50-50. Qu'est-ce que j'y peux, les gars? Quelqu'un qui n'a pas répondu! Oh non. Oh non, Nidoking. C'est le Nidoking qui les dégage. Est-ce que je respecte les abonnés? Ou je vire vraiment Gallam? Le problème, c'est que Gallam, il a... Allez, il faut avancer. Il faut avancer. Même si le vote dit Nidoking, faut dégager le Gallam. Ah, 12-12. L'égalité! L'égalité à nouveau, 12-12. Nido peut pas être poison. Soyez pas méchants avec moi, les gars, please. Allez, je vais faire mon choix. Désolé, Hugo. C'est 50-50. Hugo, la tribu... Je ne sais plus comment on dit dans Koh-Lanta. Hop, moi je vote blanc. Non, Hugo qui a disparu. Gallam. Voilà. D'ailleurs, toi, t'es niveau 14, niveau 20. On met lui. Hop. Salut. Aïe, ah, yeah, Hugo. Non, Alex, Alex. Il le fallait. Il le fallait. C'est pour le bien de tous, Hugo. Voilà, je retiens. Leur sentence est irrévocable. Ah bah là, Gallam a reçu 3 votes en plus dès que je l'ai viré. Et voilà. Voilà comment Alexuki perdit un pay to sub. Oh! Oh! Ok. Ok. Attendez, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on va relancer le jeu. Les abos tellement méchants. La tribu réunifiée a décidé de vous éliminer et la sentence est irrévocable. On va relancer. Je te conseille Momartic, je pense que tu pourras trouver mieux comme... Ah, je te déconseille Momartic. Oh, c'est possible, hein, mais bon. On verra, ça changera. Judge, il vole! Il vole. Hop. Open ROM. Ha, ha, ha. Le bug. Eh oui, guys, ça arrive. Retourne juste dans le centre. Non, si j'allais dans le centre, il aurait fait tout noir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors. Toi aussi, tu as vu les abats en noir. On dit qu'il y a des zombies bizarres dans le coin. Et ces hommes font des allers-retours entre Acajou et le lac Colère. Oh, le lac Colère. Salut Alex. Ah, pas de Yu-Gi-Oh ce soir, l'ami. En mode rétro Pokémon sur le Silver. Un petit pouce bleu. Un coup de bleu. Bleu, hein, lol, merci pour ta vidéo, pouce bleu, merci. Pas tout compris, ok. Ah bah ouais. C'est quoi ça? Boutique de souvenirs, pas de passage secret ou de choses dans le genre. Il y a un passage secret par ici. Alors, que, pardon, tu entends le vent souffler quelque part dans cette pièce et fiu fiu, c'est moi qui est en train de siffler. Changeons de sujet, tu vas acheter quelque chose? Acheter. T'as que des trucs nuls. Nous espérons vous revoir bientôt. Du. Ouais, je pense que sous le meuble. Alors, où est-ce qu'on va aller? Ouais, hop, hop, hop. Si tu verras Acajou, il faut essayer les bonbons rage. C'est la tradition. C'est seulement 30. Je t'en mets un? Ouais, vas-y. Je reçois un bonbon rage. Des what? Je me souviens d'un client qui était venu du Kanto il y a longtemps pour m'acheter un bonbon rage. Pas de chance, on était en rupture de stock et il allait chez lui en râlant. Quoi? Bon, je devrais...
Joto, il y a le Farmville, profites-en bien de ton voyage. Okay. Apparemment, il faut aller au lac colère. Apparemment, on n'a pas trop le choix. Oubliez pas le pouce bleu pour Alex. Exact. S'il vous plaît. Il paraît qu'on trouve parfois des écailles rouges. J'ai oublié. Ça fait un peu mal au œil les pixels, what the fuck. Quel pixel? Zéro pixel. Allez, toi tu vas me défoncer mon Mortique. Quel plaisir de faire toutes ces choses avec mes Pokémon préférés. Ouais, je dois aller en haut vers le lac. Niveau 18, ça va. Dark va pouvoir faire le taf. Frappe Atlas sur le Match Hopper. Boum boum boum. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Bulldo. J'espère que ce sera un Shiny au moins le remplaçant de Léviator. Ça se trouve ce sera un Léviator aussi. Hein. Claquoir. Bouffe-toi ça. Et il est pris dans le Claquoir. Bulldo. Il prend cher Dark là. Ok, frappe Atlas. Je te verrai tout droit dans le monde des ténèbres. Dans le royaume des ombres plutôt, non? Frappe Atlas inflige des dégâts fixes égaux à ton niveau. Ah ouais! Eh bah il est nul alors. C'est... Frappe Atlas c'était pas selon le poids? Non, c'est peut-être avec. Je confonds peut-être avec autre chose. 562 de gagné. Eliatron! Changer de Pokémon. Eliatron. Kikin! Kikin, t'as quoi? Griffe ombre, triple pied. Ouais, c'est pas ouf. Entai. Let's go, Entai. Balayage pour le poids. Ouais, c'est peut-être bien balayage. Si c'est élévateur, je veux bien que tu lui donnes mon pseudo. C'est tacle lourd en fonction du poids. De même que nœud d'herbe. Hop, laser glace. Nique le clavier. Hop, 625 XP. Noir Fang, changer de Pokémon. J'ai fracasse-tête. Hein. J'ai fracasse-tête. Que nos feux pour ton poids. Tu gardes un sous-être comme Kikin et tu me vires moi. Fracasse-tête. Et le derbe aussi si c'est souvent comme ça. Ok, on l'a one-shot les gars. Oh, oh, un PV Dark. Oh, Dark, c'était juste. Hein. Oh, il a même pas monté un niveau. Oh, mais ok. Damn! Sac! Hop, on va utiliser du soin. Super potion. Utiliser. Sur Dark. Grit! Grito! Aïe. Peut-être de nouveaux Pokémon. Des Pokémon sauvages à choper ici! Let's go! On va tenter. Oh, Riolu! Bon, je préfère Lucario direct que le Riolu, parce que après sinon c'est chiant, mais ouais. Il est juste combat, hein. Frappe Atlas. On va te faire 20 dégâts plus 20 dégâts. Fracassette provoque des dégâts de recul aussi. Ça va être chiant du coup. Méga fouet, que dalle. Tu fais que dalle. J'ai dit. Frappe Atlas. Attrapeuse, t'es payé. Vous dites Riolu ou Riolu? Moi je dis Riolu. Riolu! Allez, Dark niveau 21. Non mais mec, faut arrêter de bugger là aussi! Sauvegarder. Je ne sais même pas ce qui se passe à mon écran, sauf que c'est des dresseurs. Rio-sama. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre. Voilà, ouais. Hop, on va relancer le jeu encore. Attendez, c'est les pires bugs. Très très chiant là. Quel joli tas de pixels. Doom. Hop, 13:47. Alors, du coup, il y avait des dresseurs. Ouais, il y avait des dresseurs.
Tu vas aussi au lac Colère? On va jouer d'abord. Calme-toi. Calme-toi. Alors, pique-nique Flavie. Tournegrin. Niveau 21. Et télécharge, monte sa stat d'attaque. Implore, ça fait quoi? Donc, capacité, implore. Le lanceur s'approche de l'ennemi avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'il tient. On va lui mettre implore. Implore! Tu vois, t'as enlevé Hugo et tu bug. Le bombément. Oh, le bombément. Oh, super efficace. T'as rien fait. Implore! J'ai regardé 4 pubs YouTube pour te soutenir dans les mauvaises ouvertures du Lynx que tu fais pour nous. Tu regardes l'animé de... qui parle de Nagoya. Je ne sais pas. Qui parle de Nagoya. Pas sûr. Implore. Implore, le larcin normal. C'est tendu, hein. Dark, il prend tellement cher. En plus, sur un truc qui me rapporte que dalle d'XP. Et du coup, merci à toi, Akio. Dis, tu aimes les mélophées? Ils sont trop mimi, on dirait qu'on va bien s'entendre. On pourra parler... Ouais, vas-y. C'est une meuf. Je supplie Dark Sinner de te maudire. Hop. C'est mélophée, c'est le plus mimi. Sauf que c'était pas mélophée. Hein. Guignol. Hop, on va utiliser une autre super potion. Sur le môme arctique. Je suis pas fait pour le combat, je préfère les concours Pokémon. Hop. On va bah, ici. On pourra parler de... Eh, hey, tu as les Pokémon rares? Lui, vous allez voir, il va avoir des Pokémon rares, mais genre... Tortank. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pokémon. on va mettre Entai. Ouais, puisque Kikin, il a toujours que de la merde, hein. C'est Kikin en même temps. Hop. Entai. Et Tortank Amnésie. On va mettre un petit point éclair. Pour le calmer, là. Ils sont pas au niveau, les Pokémon, quand même. Hein. Étrange, étrange. Dark a gagné 450 et 450 ici aussi. Kikin, griffe ombre, c'est pas mal comme attaque. J'ai pas... Du coup, j'ai pas retenu, c'était quel Pokémon? C'est quoi le prochain Pokémon? Kikin est une merde. vous ne savez pas? Changer de... Mew. Yes. Ariados, je... Migalos. Ah, Migalos, Migalos, Migalos. Dark, Dark, il peut faire le taf contre Migalos. Voilà, les vrais qui suivent, là, Migalos. Ils ont vu que c'était un Migalos. Fracasse-tête. Et tu te mets pas un PV, Dark, hein. C'est chiant, sinon. Et tu le mets KO, l'autre. Non. Oh là là, mais il se fait tellement mal. Il se fait tellement mal à lui-même. C'est terrible. Frappe Atlas. Ouh. J'avais pas vu le nom FR. Bon, au moins le Migalos va pouvoir nous rapporter de l'XP. 688. Niveau 22 pour Dark. Vent argenté. Allez hop, oubliez une capacité. Claquoir, claquoir, c'est claqué. On dégage ça. Il s'inflige la moitié des dégâts qu'il inflige avec Fracasse-tête. So. Oh. C'est terrible alors. Oh, mes jolis Pokémon. En fait, t'es Pokémaniaque? Non. Non. Tu vas le regretter. Oh que oui! Arrêtez. Tout le monde veut ma peau aujourd'hui. Je vous jure. Hop, utiliser. Sur le môme arctique. Et utiliser encore une fois sur le même article. Tous ceux qui ont voté pour me kick, je vous retiens, voilà. Dommage que j'ai pas crâne dur. Ah bah là, ça aurait pu être rentable. Hein. Le crâne dur aurait pu être rentable. Riolu encore.
Tu lives jusqu'à quand? Jusqu'à 22h30, comme d'habitude. Qui est ton hentai, what the fuck? Bah, c'est hentai. Plaque toxique. Et du coup, pourquoi on a un truc comme ça, là? Pourquoi on a un truc comme ça, ici? Oh! Minute petit bouchon! Le montant du péage est de 1000 pokédollars. Hé, hey, merci bien. Quoi? Ils m'ont vraiment piqué 1000 de pokédollars? What the fuck? Au revoir l'argent des abonnés. Je me suis fait racketter! Mais non! Je me suis fait racketter en live! Explication! Je vais pouvoir mettre ça en titre. Je me suis fait racketter en live. Bastiodon! Tout va bien? Tout va bien. Frappe Atlas! Un Pokémon inventé. Embargo. Bande de racketteurs. Hop, frappe Atlas encore. Genre vous reconnaissez pas une taille. Rayon gemme. Ça fait mal ça, non? C'est bon. Hop, frappe Atlas. Le fameux péage obligatoire qui te pique 1000 à chaque passage. Mais non. Waouh. On va éviter du coup de repasser par là. Je comprends pourquoi on pouvait le dodge, ce truc. Comment oses-tu? Ben, parce que j'ose. Parce que je l'ose. Je le veux bien. Ouais, j'aurais dû l'affronter déjà. Oh, Togetic. Togetic, c'est drôle. Ensuite. Tiens, on va... Mais mec! Ah, un Scarabrut! Une légende raconte que si tu peux pas payer, il te pique tes Pokémon. Ce serait assez insane. Ce serait assez drôle. Je ferais bien exprès surf à gauche. On ira, on ira. Type avec des cheveux rouges, bon sang, ils sont tellement forts. Je serais bien tenté d'être pauvre juste pour pouvoir faire ça. Dynavolt. Vent argenté. Voilà. Ok. Malédiction. Du coup, il fait quoi? Il baisse sa vitesse, mais il augmente son attaque et sa défense. Frappe Atlas! Prenez Jean-Tony, il ne sert à rien. Ah, et oui, je sais qu'il faudra XP après le live. On le sait bien. Surtout Kikin. Surtout ce guignol de Kikin. Faudra le XP. Ok, donc la bonne direction, c'est par là-bas. L'eau est teintée d'un bleu foncé. Hop. Tiens, on va le maravler. Ouais, on va continuer. C'est pas la forme en ce moment. Bah, on se peut changer les idées. Comment ça, j'esquive ces trucs. Mais les gars, vous êtes combien en avoir sur vous, des Arceus, là? Déjà le deuxième. Frappe Atlas. Tu as fait le casino? Non. Si, je crois. Ce sera possible que j'ai un poké à mon nom, Alex? C'est bien plus possible, en effet, ça pourrait être. Arceus niveau 10. Arceus, c'est un ratata IRL. Allez hop, ça dégage. Ça va dégager, ça, 546. Salutations. Salutations. Et un Charthor. Changer de Pokémon. Capacité, j'ai quoi déjà? Ouais, Kikin! Kikin, go! Il n'y a pas de casino, ils l'ont remplacé par un démineur tout pourri. Oui, voilà, il y a un démineur, c'est ce que j'ai fait. Oh, il est niveau 20! C'était peut-être pas une bonne idée, hein. Et en plus, ça augmente sa taille. Triple pied! Kikin, 1! Oula! Oh là!
Coup critique. Oh là là. Trancherbe. Waouh. Kikin qui est OP, hein. Hein, Kikin qui est OP. Griffe ombre. What? Oh, oh. Tape avec griffe ombre. Pokémon. Jean-Tony. Aïe, 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 aïe. Gardez la cœur. Kikin la chiasse. Mais Kikin, même son Pokémon, il est nul. Yes. Bouffe-toi ça, là, le Charthor. Le vieux Simia. Kikin 345. Simia Braz. Changer de Pokémon. On va remettre Kikin. Pourquoi je me prends les gros vents? Une légende raconte que si tu payes pas, il remplace un de tes Pokémon pour le remplacer par moi. J'avais lu ça, non? Là, il y a plus de chance. Griffombre. Il fait que dalle. Griffombre, et moi, je vais me faire one shot, c'est ça? Drucaron. Non, un autre. Un autre, j'ai pas d'autres messages de ta part dans le chat. J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'autres messages. Attaque. Séisme. Triple pied. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez, Drucaron utilise séisme. Lui, il se fait one-shot. Hop. Kikin 334. Oh, Kikin qui monte au niveau 15. Quel boss. J'ai perdu, mais ça va mieux. Bon, alors, Kikin, tu vas switch. Ah, mais non, Kikin est déjà dans... Il est déjà loin. Ok. J'ai déjà joué à League of Legends. J'ai déjà fait une ou deux games. Et ça m'a pas tenté. Ça m'a pas... J'ai pas accroché. Surtout s'éclater les Simiabras là. C'est des vieux singes, des trucs, comme dire. Ok. Tiens, on peut aller chercher une Pokéball, là. Hop, Chantony utilise Surf. Hop, hop, hop. Et on a une Safari Ball. La deuxième du jeu. Déjà. Hop. Alors, du coup, comment on va faire? Yo! Yo, 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 yo! Est-ce qu'on va avoir un nouveau Pokémon à mettre dans notre équipe? Magneton, non. Ça, je vais pas mettre. Peut-être qu'avec le level up des niveaux, Kikin deviendra OP, on ne sait jamais. Ça se trouve, il chopera déjà des meilleures attaques. Puisqu'en vrai, il a une capacité qui est pas dégueu. En vrai, ça pourrait être le truc... Ce serait le bon truc. Il a des attaques combat, il a des attaques tout ça. S'il peut passer les Pokémon Spectre, ça peut être bien. Kikin puera toujours. Ouais, j'avoue. Je l'avoue. Hop. Hop, 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 hop. Attendez, je veux passer en dessous. Magnéton dans l'océan. Et il va y avoir que ça, des magnétons partout. Dork. C'est pas gentil d'harceler le pauvre Kikin. J'avoue. Il exerce pression. On a encore moins de envie de. Mais please. Ok, la pluie, la pluie, la pluie, commence à pleuvoir, hop, on fuit. Let's go. Là. Oh, le Léviator est là. Le Léviator est là. Est-ce qu'on le capture?
Dark, go. Dark, je pourrais avoir un autre Pokémon à mon nom. On verra. Fuite. Nous verrons ça. Yo mec, qu'est-ce que tu racontes? Les Léviators sont en colère, mauvais présage. J'ai aberré ou quoi? J'ai vu un Léviator rouge dans le lac, les Léviators c'est bleu d'habitude. Ok, donc là, ok, c'est là. Maison du maître pêcheur. Non, on ne le capture pas. La colère est en fait un cratère. Je tiens cette histoire de mon grand-père. Vous pouvez attraper plein de Magikarp, je comprends pas ce qui a pu se passer. Alex, attention, le lac est électrisé avec tous ces magnétons. C'est fort possible. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On dit que ce lac a été créé par le déchaînement des Léviators. Hop, l'eau est teintée d'un bleu foncé. Hop. Allez. Le Léviator, t'es où? T'es où, Léviator? Je te marave, moi. Sacré Léviator, ça. C'est un très très bon Léviator. Hugo en PLS, dans le chat. Il commence à pleuvoir. Fuite! Yo! Thor! Ah! Brrr! Léviator! Bon, il est niveau 30. Il est niveau 30. En vrai, on peut essayer de le capturer et peut-être qu'on l'aura dans notre équipe. Hein. Implore! Je vole ton objet! Ouais, c'est pas randomisé les Poké statiques. Oh! Je lui ai volé une Safari Ball! Aéroblast. Ok. OMG, un Shiny du premier coup, oh my god! Par contre, il m'a. Oh, ça fait mal. La pluie continue de tomber. Oh, un Shiny, comme dirait NT. Utiliser un autre Pokémon. Kikini va se faire dégommer. Exode. Attaque. On va mettre. Bec vrille. Griffe acier. Dis-moi que ça passe. Voyons qu'il a vachement de PV. Hein. Il a vachement de PV. Revenant. Du coup, on va faire un petit revenant. Oh, il a brume. Rock boulet, c'est super efficace, non? Oui. Il est type vol, donc ouais. Beaucoup trop efficace. Bam! Revenant! De toute façon, je vais le one-shot avec ça, non? Triple pied! Oui. Dark, t'es pas tombé dans l'eau? Ah, oh, oh, triple pied. Ouais, je comptais bien faire coupe. Don't worry. Et du coup, je vais le capturer avec la Pokéball qu'il nous a donné. La Safari Ball. Pokéball. Une Pokéball spéciale dont l'usage est réservé au parc Safari. Elle est décor... Je vais l'utiliser hors du parc Safari. Go. 1. 2. 3. Ous. Judge. Et voilà, on a un... Oh, on a un Shiny. On a un Shiny. On est dans le parc Safari, voyons. Ah oui, c'est le zoo. On va le rename. Allez, à partir de maintenant. Le premier qui dit moi. Le premier qui dit moi. Rocket GT. C'est Rocket GT. Du coup, Rocket GT, je mets quoi comme pseudo? Roquette? Roquette GT? Roquette? GT? GT Roquette? Jean-Eude? J'ai dit avant. Bah, moi, je vois Roquette GT en premier. Hein. Donc, les gars... S'il vous plaît! Oui, Roquette. Roquette... Rocketo.
Voilà. Jean Célestin. Et j'ai reçu une écaille rouge. Et on met l'écaille rouge ici. Bon, il y a quelque chose d'autre à faire par là. Attendez, je vais d'abord utiliser un super repousse, parce que sinon ça va être chiant. Super repousse. Hop, hop. Super repousse utilisé. On requête le capitaine des Snow Kids, ou yeah. Zoup, zoup, zoup. On passe comme ça, on passe comme ça. Non, il n'y a rien ici. Redescends avec Ajou. Pourquoi on a tout ça, là? En vrai. Ah, mais on a une cabane et une Pokéball ici. Hop, et nous avons la faux charge. Hop, et là qui a les refs. Moi j'ai pas la ref. Moi je n'ai point la ref. Hop, 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 hop. L'effet de repousse se dissipe. Vite! La maison. Hop. Tu as bien voyagé, moi j'ai médité au fond de moi, une nouvelle force est réveillée. Laisse-moi la partager, reçois ceci. C'était 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois cette puissance cachée, elle développe la puissance de tes Pokémon. Mais attention, cela dépend du type. Pourquoi pas. Bon du coup on peut retourner à machin, notre petite ville. Vol. Hein? Y a plus rien d'autre à faire, je redescends, non? Exploration, c'est bien. Dites-moi, puisque j'ai pas vu, j'ai vu redescendre avec Ajou. Oublie pas de choses au lac. Faut parler à Peter. Non, faut retourner. Il y a Peter. Il y a Peter qui se balade. Oh là là. Alors, sac. En bas du lac, il y a Peter. Ok, on va aller voir Peter. Max repousse utilisé. Hop, hop, hop. Redescend juste avant d'entrer dans le lac. C'est con, sort les nouvelles infos du Yu-Gi-Oh. Quoi? J'ai tout compris, hein. Je pense avoir tout compris. Passe par là, passe par là, passe par là, passe par là. Je vais quand même visiter un petit peu. On va vérifier que j'ai bien tout. J'ai bien tout, je pense. Hop, on passe ici. On va aller voir Peter. Ah oui, il est là, Peter. Yo. Dracolos, Dra. Dra. Alors, ce déviateur rouge n'était pas normal, on a beau dire, mais je suis sûr que c'est à cause des manigances de quelqu'un qui a évolué comme ça. Es-tu ici à cause de la rumeur? Tu es Alex, je suis Peter, un dresseur comme toi. J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête. Au fait, je t'ai vu combattre, Alex. On peut dire que tu ne manques pas de talent. Que dirais-tu de me prêter main forte? Ouais. Excellent, on dirait que quelque chose force les Magikarp du lac à évoluer. Je crois qu'il s'agit d'un mystérieux signal radio en provenance d'Akajou. Et puis, il y a cette étrange boutique de souvenirs. Alex, je pars devant. Retrouvons-nous à Akajou. Ok. Dragonite. Hop, Pokémon. On va faire... pas surf. On va éviter surf. On va faire vol. Et on va retourner ici. Il n'y a plus qu'une ville ici à découvrir. Il nous reste 2 badges à avoir. En vrai, la première partie du jeu est assez rapide, hein. Après, il faudra faire Kanto. On est déjà... Attendez, c'est 5e live, là. 5e live, on a déjà nos 6 premiers badges. Voilà. Ça va. Encore 2 lives, on aura terminé Johto, j'imagine. Peut-être. J'en sais rien. Et comme Dark est en forme, vous avez décidé de vous promener avec. Et après, on fera Kanto. Alors, on va rentrer ici. Qu'est-ce qu'ils font? Dracolos, ultra laser! Ça, c'était pas un ultra laser.
Tu en as mis du temps, Alex. Comme je le pensais, cet étrange signal radio vient de là. Quoi? Hop. Les escaliers sont là. Oh là, oh là, les muscles. Alex, nous ferions mieux de nous séparer. Je passe en premier. J'ai cru qu'il y avait cette Dracolos ici. Hein, vous l'avez trouvé, l'escalier secret? Il était pourtant bien caché. Non, je deck à plus, Alex. Bonne soirée, Hugo. Eh, là, un intrus, plus un geste. Ok, donc si on passe devant une statue, ça va nous mettre un Gavapop. Ok. Avec un Papillusion niveau 17. Darku. Alors, ultra laser sur un mec, ça le repousse pas, ça en fait du steak haché. C'est bien ce que je me disais aussi, hein. Implore. Donne-moi un objet. Bonne DLS. Non, pas un, mais trois à chaque fois. Trois? Bah là, on va pouvoir XP nos Pokémon, hein. Tiens, on va faire un petit fracasse-tête. Deux sbires et non un. Faut savoir. Un, deux ou trois. Okay, on a pris quelques dégâts. Ouh, et Rafflesia, changer de Pokémon. Toi, t'as toujours que des capacités qui ne vont pas être super efficaces contre. Exode. Si des fois, il y a des Pokémon qui se font démolir par Simiabras, je tenterai même. Deux, je crois. Rafflesia, niveau 19. En vrai, t'aurais pu rester et utiliser avant argenté. Bon. Il faudrait dire à Alex que tu voles, c'est juste pour le combat, après tu le récupères pas, hein. Quoi? Ah bon? Ah, encore perdu. Ah, c'est mon tour, tu ne nous échapperas pas. Que quand tu voles un objet. Oh, trois Pokémon cette fois-ci, Magnéti. Pression, on va lui mettre une petite frappe Patlas. Ça fait pas plus de dégâts. Ouh, ça fait quand même mal. Il n'y a que dalle en PV. My turn. Hop, frappe Patlas. Frappe ultra laser dans une maison. Il est fou le Peter, non? Ah, il est un petit peu fêlé, surtout ultra laser contre une personne. Genre c'est un petit peu. Ouais ouais ouais. Changer de Pokémon. Kikin! Let's go! Kikin, tu es le seul à pouvoir affronter un clown! Ah, en plus, c'est Mime Junior! Je sais pas, je croyais que c'était Monsieur Mime. Griffe Ombre! Chef! Voilà, il le one-shot! Yes. 283. Corboss! On va changer de Pokémon. Le Corboss. Est-ce que le Dark peut faire extrêmement mal? J'ai acheté Drastic sur Android pour jouer à ça. À ce jeu-là? Ouais. Et le Corboss. Allez, fracasse tête, je vais te fracasse. Quoi? Grincement. Corboss vole ténèbres. Mais non, il rate encore son attaque. Moi d'abord. Mais il échoue. Fracasse-tête. Alors. Payer un ému sur Android. Ah d'accord. Tous les vieux Pokémon. Ah, il se blesse. Ouais. 720. Mais Dark passe au niveau 24. Va-t-il apprendre une autre capacité? Les statues te surveillent. On viendra tant que tu n'actionneras pas quelque chose. L'effet de repousse se dissipe. Ses yeux ne brillent plus. Vous avez l'impression que quelqu'un, quelque part, vous épille.
Tiens, alors, hop. Il nous reste 10 minutes de live. Et en fait, de toute façon, je serais obligé... Moi, je m'en fiche, hein. Moi, je veux bien faire tous les combats, hein. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Tiens, il va falloir que je l'affronte, lui. Ouais. Ouais. On va l'affronter. Yo, mon pote! Attendez. C'était une cachette ninja, ici. Il y a des pièges contre les intrus comme toi. Par contre, il bloque. Scientifique Ryan Zarbi. Tu joues à Pokémon Go, Alex? Non. Nope. Vent argenté. Bouffe-toi, ça! Voilà. Ça va bien le one-shot. GLX, tu l'as comment, l'objet, maintenant? Je me pose bien la question, hein. Je me pose la même question. Changer de Pokémon, on va mettre... Entei. Fallait passer devant lui. Ça va te faire pas mal XP. Ouais, ça va me faire pas mal XP. Hein. Là, on va pouvoir faire plein de combats dès le prochain live. Point éclair. Quelqu'un a déjà utilisé un Zarbi un jour? T'imagines, tu fais la ligue avec Zarbi. Avec une équipe de Zarbi. Nidorina! Nidorina. Il me faut du psy éventuellement ou continuer le combat. On s'en fiche. Alex, pourquoi tu as mis Yuki collé sur ton nom? Parce que j'avais envie de l'écrire comme ça. Je ne sais pas pourquoi des gens font toujours mettent toujours un espace entre Alex et Yuki, puisque Yuki n'est pas mon nom de famille, c'est mon pseudo. Dracometer... Laser glace. D'ailleurs, je suis pas centré, là. Un petit coup critique, parce que c'est un Weeb qui coufague. Yes, exact. Salut, tu as combien de badges? J'ai pas du tout suivi, désolé. 6. J'en ai 6, là, je suis dans la flanque de la Team Rocket. Ça, alors... Bon, allez. Ah, mais je pouvais passer comme ça. Oh, plaque point. Oh, Alex, tu ne pourras plus avoir l'objet, voyons. Eh, bah, les gars. J'avais tout prévu, de toute façon. Je savais que j'allais pouvoir le récupérer après. Hop, on va changer de Pokémon, puisque le Momartic, c'est bien sympa à un moment, mais il faudrait changer un petit peu. On va mettre Drucaron. Retour. Hop. Allez-y, agressez-moi, les gars. Venez m'agresser. Et là, on a truc plus un geste. Je veux surtout la Pokéball. Après ce combat, je pense qu'on pourra stopper le live. J'imagine. Papillusion. Drucaron, let's go. Insecte vol. Torrent. Fatal poudre. Mais lui cher. Alex, leur dit désactive le piège. Bah, et alors, moi je veux XP. Je veux affronter des gens, moi. C'est le but. Il n'y a que qui entend... Drucker à la place de Drucaron. Quoi? Oui, il y a que toi. Stylix doit avoir max 15 en attaque spé. Mais arrêtez de juger Stylix. Arrêtez de le juger. Ils sont gentils, mes Pokémon. Il faut les protéger. Il faut dire du bien d'eux. 748. Bon, du coup, ça va beaucoup plus vite quand on n'utilise pas Dark, hein. Stylix est un gros dildo, laisse-le. Bah oui. C'est mon tour, tu ne nous échapperas pas. Magnéti est envoyé par Rocket Spear. Calme-toi tout de suite. Pression. Il me fait pression, t'es sérieux? Tu veux me mettre des coups de pression comme ça? Séisme. Ah, Magnéti qui n'a pas lévitation, ça fait plaisir. Hop, je perds plein de PP dessus. Ça, c'est chiant. 304 points d'expérience. Mime Junior, changer de Pokémon.
Kikin, tu es le seul à pouvoir Marav qui... Mime Junior. Pourquoi ils ont tous Mime Junior là? Hop, attaque, griffe ombre. Vitesse extrême. Ok. Tu vas faire les badges de Kanto, je pense que oui. Mime. Le Mime. The Mime Junior. 283. Oh. Mais Corboss, il avait la même équipe là. Corboss changé de Pokémon. Exode peut faire ça. Peut faire le taf. Yo Alex, j'ai vu un truc sur le net et à ce qu'il paraît, on aura Yuma en septembre, leak. J'espère que c'est no fake. Yuma sera en septembre, il n'y a pas besoin de leak pour le savoir, puisque de toute façon, en septembre, il rajoute toujours une nouvelle génération. Donc il y aura Zexal, donc il y aura Yuma. Mais j'ai vu les soi-disant leaks, c'en est pas, hein. Genre, c'est full bidon, hein, les gars. Avec les fameux... les fameuses skills. Non, genre, non. Ce ne seront pas les skills de Yuma, ça. Mais il y aura bien et bien Yuma en septembre. Big leaks. Woo. Ok, c'est bon, là je peux passer. Un rappel max en random. Bien ça. Alors on a le temps de faire encore quelques combats. Alors, le statut de père chiant. Vas-y. J'espère que Kaito sera présent avec Yuma. Kaito, ce sera comme Jack. Tu l'auras bien après. On pourra faire un deck photon. Hé, hey, là, triple un geste. Tu penses pas que les X6 vont tout gâcher sur Duel Links? Bah, c'est comme les gens qui disaient, oh, est-ce que les synchros, ça va gâcher Duel Links? Absolument pas. Oh, absolument pas. Ça n'a pas eu ce... Ça n'a pas eu cet effet-là, donc... ça va... Voilà, quand même. Les X6, ça va être pareil, hein. Les X6, ça va comment dire, feinte. Les X6, ça va permettre de à tous les decks de jouer un extra deck en fait, puisque tous les decks vont avoir, en fait, ils ont les mêmes Pokémon. Ah, merde. Exode. Pour détruire un numéro, il faut un autre. Ça, par contre, il y aura pas ça. Mais détruire les numéros par un autre numéro, c'est dans l'animé, genre... Non. Vous inquiétez pas, pour détruire Utopie, tu pourras le détruire avec ton Kuribo qui sera boosté, hein, t'inquiète. Voilà. 748 points d'expérience. Zut, on a encore perdu. Bon, et du coup, lui, il a les mêmes Pokémon. Tu ne nous échapperas pas. Il va avoir 3 Pokémon avec son Mime Junior et tout ça. Magnéti. Comme d'hab. Salut Greg. Il exerce pression, c'est ça. Séisme. Séisme sur Magnéti, ça passe. Bien. Bon, du coup, il va faire Mime Junior. On va mettre Kikin en face. Kikin qui est le Slayer de Mime Junior, quoi. Kikin qui fait le taf. Il va passer niveau 16, d'ailleurs. Aïe ya. Bon, du coup, en fait, je pense que en off, je ferai toutes les statues de Persian, puisque en soi, c'est toujours les mêmes Pokémon. Comme ça, je pourrais farmer un petit peu. Enfin, t'aurais été bien dans le moveset. Corboss, bien sûr. Changer. On va balancer... Entei. Non, on va prendre Exode. Entei est niveau 30, donc... La vraie question, c'est s'il y aura Brains. Je pense bien que oui, hein. Il y aura Arc 5 l'année prochaine et dans 2 ans Brains.
si Duel Links existe encore. Mais bon, à chaque année, je me dis, oh, c'est la dernière année de Duel Links. Oh, au final, Duel Links se porte toujours aussi bien. Je pense que ça perd au fur et à mesure un petit peu de joueurs, mais ça, c'est toujours aussi bien. Faudra changer les terrains. Ouais, les terrains, c'est bon, c'est pas trop grave. Bon, on va prendre la Pokéball là. Précision plus, c'est bien nul. Et on a un autre persian ici. Par contre, Vrains va tout gâcher pour le... Les gars! Pourquoi un nouveau type de... d'invocation gâcherait le jeu? Guys! Guys! Bon, du coup, on va s'arrêter là, je pense. On va pouvoir s'arrêter là. Je vais faire les statues de persian après en off. Hein, parce que si c'est toujours les mêmes guignols qui me tombent sur la tête, un peu useless. Je pense qu'Alex va tout gâcher surtout. Comme d'habitude, moi je gâche toujours tout en fait. C'est vrai que j'ai arrêté Duel Links aussi. Et puis il y aura des pendules plus tard. L'année prochaine. Extra à 10, ce serait cool. Déjà, normalement, l'extra deck plus devait arriver en fin de mois. Je pense que le 25, dès qu'ils auront plié Jack Atlas, les quiz, pas les quiz, les bingo, tout ça. Du spéciaux, boum, ils vont tout plier et on va avoir, ils vont nous sortir un bon gros truc pour le 25. On va avoir quelque chose de bien. Quel devrait être le dernier événement du mois? Enfin, je vais mettre de l'argent dans le jeu. Donc, à la match du 25, je pense qu'il y aura bien les extra decks plus. Tu peux désactiver les combats avec les statues de persian. Mais je veux XP avec les persians. Je veux XP avec les persians. Je sais que je peux les désactiver. Et regardons. Et du coup, à mon avis, il y aura une nouvelle box qui sera annoncée le 25 aussi. Si elle ne sort pas justement le 25. Si l'event a dû être annoncé, mais je m'en souviens plus. En gros, dans 3 ans, Duel Links, ce sera le jeu normal avec 40 cartes et 5 cartes terrain. Non, absolument pas. Pourquoi il y aurait... Dans Vrains, ils jouent au speed duel avec les Links et tout ça. Hein. Ce sera pareil sur les speed duels. Le 25, qu'est-ce que ce sera? Notification, je ne sais pas. C'est quoi le 25? Je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle sera la... je ne sais pas. Extra deck de 25 cartes. Ce sera bien, ça. Ça, ce sera bien. Bon, bref, on verra ça de toute façon une autre fois. Tag duel, non? Peut-être. Ah, peut-être que c'est les tag duels avec Blair. Les tag duels avec Blair. Eh ben, les gars. On verra bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce live. N'hésitez pas à laisser un like avant de partir. À vous abonner si ce n'est pas fait. Ainsi qu'à ma chaîne de rediffusion, AlexYuki VOD Live. Lien dans la description. Voilà, pour revoir la rediffusion de ce live ou les lives futurs et même passés. Et du coup, eh bien, on se retrouve jeudi prochain, 20h30, pour le prochain live sur Pokémon Soul Silver. Allez, bye tout le monde.